Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à la dernière édition de Metro News pour l'année 2017. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince et le bureau des affaires de stupéfiants et de l'application de la loi saluent l'entrée en fonction des membres de la première promotion de la nouvelle police des frontières, Polyfront. Le secrétaire d'État Rex Tillerson salue les immenses progrès accomplis par Haïti au cours de l'année écoulée, en particulier en matière de sécurité et de développement du secteur agricole. La plateforme Religion pour la paix estime que 2017 a été difficile à bien des égards à cause de la méfiance et du manque de solidarité entre les Haïtiens. La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, Madame Robin Diallo, et le directeur du bureau des affaires de stupéfiants et de l'application de la loi, INL, Nicholas Hilbert, saluent l'entrée en fonction des membres de la première promotion de la nouvelle police des frontières, Polyfront. Madame Diallo a félicité le président haïtien Jovenel Moïse pour le soutien du gouvernement à la création de cette unité qui aidera à intensifier la lutte contre le trafic des personnes et la contrebande le long de la frontière avec la République dominicaine. Le bureau de l'INL continue de soutenir l'Organisation internationale de la migration en fournissant des motocyclettes, des quads et la formation pour les agents de la Polyfront. Cette nouvelle police des frontières aidera la police nationale à lutter contre la criminalité transnationale. Les 118 policiers de cette unité seront déployés notamment dans les départements du centre et de l'ouest. Le chef de cette unité, Marc Justin, informe que le déploiement sera réalisé progressivement. Vers 2020, cette unité comptera 650 agents. Le président du Sénat, Youri Latortue, juge satisfaisant le bilan du Grand Corps pour cette année. Une quarantaine de projets et d'instruments internationaux ont été votés, dit-il, signalant qu'une trentaine d'autres textes sont en attente de l'analyse des pairs conscrits. L'année a été prolifique, se réjouit M. Latortue, rappelant que les séances plénières ont été réalisées régulièrement. Il assure que le Parlement a exercé ses deux fonctions qui consistent à légiférer et à contrôler l'action gouvernementale. Les sénateurs n'ont pas trouvé un accord pour la formation du Conseil électoral permanent et du Conseil constitutionnel. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, avait promis de mettre en place ces institutions prévues par la Constitution. En dépit des protestations de l'opposition, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires devraient poursuivre le processus de désignation des membres de ces institutions. Le président du Sénat espère qu'au début de 2018, les rapports des commissions pourront être votés par le Grand Corps. En ce qui a trait au rapport sur la gestion des fonds de Petro-Caribé, le sénateur Latortue salue la publication du document. Il regrette toutefois que les sénateurs n'aient pas pu réaliser un débat sur le document soumis par la commission Beauplan. Une séance spéciale avait avorté en raison du manque de quorum. Plusieurs sénateurs arrivés en fin de mandat avaient exigé une clarification de leur situation. Entre-temps, M. Latortue révèle qu'un accord a été trouvé entre le législatif et l'exécutif pour que le mandat du premier tiers du Sénat soit bouclé en janvier 2020. Le secrétaire d'État Rex Tillerson adresse un message à Haïti à l'approche du 1er janvier qui marquera le 214e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Rappelant que les États-Unis et Haïti partagent une longue histoire d'étroites relations et que l'avenir des deux pays est étroitement lié au fait qu'il existe près d'un million d'Haïtiano-Américains, il salue les immenses progrès accomplis par Haïti au cours de l'année écoulée. L'investiture du président Moïse en février dernier et le travail entrepris par Haïti pour stabiliser son système électoral à l'avenir confirment l'engagement du peuple haïtien en faveur de la démocratie, des droits humains et de l'état de droit, affirme le secrétaire d'État américain. Rex Tillerson dit également noter des progrès significatifs en matière de sécurité et félicite les efforts déployés pour le développement du secteur agricole.
En tant qu'amis et partenaires de longue date, les États-Unis demeurent déterminés à soutenir Haïti alors qu'elle s'efforce d'augmenter sa croissance économique ainsi que les investissements en déployant tout son potentiel, conclut Rex Tillerson. Le président de Religion pour la paix pour 2018, Pierre-André Dumas, a adressé ses vœux au peuple haïtien à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il plaide en faveur de la confiance et de la fraternité entre les citoyens. Monseigneur Pierre-André Dumas a fait savoir que 2017 a été difficile à plusieurs égards, justement à cause de la méfiance et du manque de solidarité entre les Haïtiens. L'une des plaies d'Haïti, c'est le manque de confiance. Il y a trop de suspicions entre nous. Il y a également trop de peur et on s'accuse mutuellement. Et quand il n'y a pas la confiance, on ne peut pas construire des réalités solidement ancrées dans notre vie. Et je fais justement un plaidoyer pour qu'il y ait davantage de confiance entre eux et tous les Haïtiens, entre les fils et les filles de ce pays, entre le leadership du pays et le peuple. Mais quand on demande aussi de faire la confiance, il faut qu'on soit respectueux de cette confiance. Donc le peuple qui fait confiance à ses leaders, il faut aussi que les leaders puissent restituer cette confiance. Et une institution qui vide la confiance, naturellement, elle ne peut pas tolérer en son sein qu'il y ait de la malversation, de la corruption. Et une institution qui demande la confiance doit pouvoir et vivre dans la restitution, dans la transparence, doit pouvoir et vivre dans ce qu'on appelle la accountability, c'est-à-dire la redevabilité. Je crois que nous devons faire beaucoup plus d'efforts pour que 2018 soit une année où l'on restitue la confiance et qu'on en vive dans la confiance, que ce soit au niveau étatique. Et ce que je voudrais dire encore au niveau de cette confiance, c'est que les trois pouvoirs de l'État doivent montrer le chemin en rétablissant la confiance entre eux. Confiance que l'on s'attend à trouver, qu'on veut retrouver entre le judiciaire et l'exécutif, entre l'exécutif et le législatif. Et faire confiance à quelqu'un, ce n'est pas devenir complice de cette personne. Faire confiance signifie que nous voulons marcher ensemble. On se le rappelle, le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Jean Baden Dubois, et le ministre de l'Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, avaient signé le vendredi 29 septembre 2017 un protocole d'accord sur le cash management. Certains estiment que le gouvernement n'a pas respecté cet accord. En réaction, le gouverneur de la BRH, Jean Baden Dubois, a apporté quelques éclaircissements sur ce dossier. Cash management, dans l'OCNE, l'IPA dit que bon niveau de financement mensuel. Ok? Green Bagay dit que l'a utilisé, le ministère des Finances dit que l'a utilisé ressources que le gain à disposition dans les limites de financement que le café a. Ok? Donc, et financement là, c'est-à-dire qu'au 21 décembre, est à 3,8 milliards de gourdes. Mais le financement qui est prévu dans le budget est de 5,7 milliards de gourdes. Mais il y a un ancien gouverneur, M. Jean, qui a dit qu'on a déjà financé près de 5 milliards de gourdes. Et comme on t'a dit qu'on a 3 milliards qui ont été finis l'année dernière là, donc chiffre ça a un petit peu tiqué mon dit est-ce que maintenant 3 gourdes qui ont été sous mon cher là? Non, donc. Ça veut dire que mais cash management, ça veut dire qu'on était dans la limite. Li. Il faut comprendre aussi que ça veut dire que recettes yo pas forcément matchées avec dépenses. C'est peut-être ça en fait au gain en fait cette marge de financement que ou qu'a permettre. Donc il se trouve que peut-être bon mois côté que yo peut-être payé deux mois ensemble. C'est peut-être ça qui arrive avec des arriérés peut-être qui fait que financement monétaire a bien augmenté, mais il était quand même en dessous de limite. Là. Pas oublier que c'est pas pour dire que il y a 5,7 milliards de financement pour l'année et que 5,7 milliards divisé par 12, ce n'est pas comme ça que ça se passe. De même tout, le mieux recette, c'est-à-dire que l'année dernière, il y a un bel effort de recette qui a été fait par le ministère des Finances, c'est-à-dire qu'au final, avec 75 milliards de gouttes, il fait 75 milliards de gouttes de recettes au 30 septembre, alors que dans le budget, c'était 71 milliards de gouttes. Donc, ce qui fait que c'est un élément quand même intéressant. Mais ça ne veut pas dire que recette, tu as toujours matché des pensions. Donc, le recette, tu n'as pas matché des pensions, ou alors, effectivement.
Et à ce moment-là, donc, le cash management a été respecté. C'est-à-dire que le monde a dit, c'est pour cette raison il est important que je me précise que cash management pas veut dire zéro financement. Okay. Cash management veut dire que le ministère des Finances a dépensé, que l'État haïtien a dépensé, okay, en fonction des ressources que le gain est disponible. Le contenu de la télévision nationale d'Haïti sera bientôt disponible à travers le monde. Un accord de concession et de diffusion a été paraphé ce vendredi entre les responsables de cette institution et la firme Focus Media. Selon le directeur de la TNH, cette initiative doit permettre aux Haïtiens de la diaspora de rester connectés avec le pays et d'avoir les bonnes informations sur Haïti. Toutefois, cette décision aura des conséquences sur la programmation de la télévision d'État. Gamal Augustin promet de s'adapter. De 1979 à nos jours, la télévision nationale a un archive en bas. Archive ça, c'est histoire nous. Archive ça, pas jamais passé mode. Le pile dans l'émission, ça, on est capable de réutiliser encore. Et ou qu'on a regardé l'autre chaîne de télévision, un spécial, par exemple, elle rentre ici, nous devons venir avec TNH Retro. TNH Retro, son façon pour ne pas obliger, nous qu'à utiliser 2-3 heures de temps, sans que nous pas utiliser l'image de l'autre pays. Nous qu'à prendre Retro, nous, image pays, nous, pour nous regarder qui j'en ai guichat, qu'on fonctionne. Nous qu'à regarder qui j'en papa piat, qu'on fonctionne. Parce que les contenus sont pauvres, nous sommes tous d'accord. Mais ces contenus, pas nous, en passé, on garde la pauvreté, on garde qui s'en a corrigé, on crée dans nos jeunes capables. Parce que dans pile pièce théâtre qui était faite, dans pile image que nous avons gagné à travers longtemps, nous avons pile heureux production. Mais c'est nous qui avons réalisé. Ça montre que plus ou moins on a grandi. Audiovisuel pays d'Haïti a avancé. Nous allons essayer de corriger au pile devant. Mais pour le moment, on a retourné sur ça que nous avons gagné. Au lieu pour nous regarder, on saute qui n'est pas pour nous. Pour qui ça ne va garder des pièces théâtre par nous? Pour que ça ne bagarre des colibris, pour que ça ne bagarre des pelles en tête. Lancement ce vendredi de la 5e édition du week-end citoyen à Carrefour. Une initiative du cartel municipal qui vise à impliquer les riverains de la commune dans son plan d'action pour combattre l'insalubrité. Pour cette nouvelle édition, les autorités communales se proposent de concentrer leurs efforts sur certaines zones réputées comme étant particulièrement encombrées par les détritus. Harry Jean est le directeur général de la mairie de Carrefour. Écoutons ses précisions. Je vous invite à déposer fatra dans la rue. Il y a de l'autre travail d'assainissement, tant qu'il y a de routes qui méritent à planer, de routes qui fait en terre battue, des travaux qui fait sous éclairage ville là, une façon pour que Mounio passe fête là dans une situation qui est plus ou moins acceptable en termes de propreté. Parce que nous, tous comme journalistes, nous avons regardé la région métropolitaine pour ouvrir ça, nous avons pile saleté dans la période fête là. Et la municipalité a manqué sous capacité pour répondre à la question ça. Donc là, où organiser une activité comme ça, côté citoyen ou impliqué, organisation qui dans la société civile là, et l'église, dans la période où l'école qu'on implique, nous regardons comment faire propriété ville là. Parce que ça fait partie de notre respect et un principe de responsabilité citoyenne. Parce que certainement l'État, la municipalité, a une obligation pour propriété ville, mais les villes là pas propriété, là, il y a des incidences quand même sous communauté. Donc la communauté prend conscience de ça, accompagner la municipalité, nous regardons comment améliorer la situation ville là. Situation commune dans la période faite là en termes de propreté, en termes d'assainissement. Le musicien Herman No déplore le phénomène d'acculturation qui touche actuellement le monde de la musique haïtienne et qui conduit, selon lui, à un abandon progressif du compas. Comparant Haïti aux pays les plus proches, le musicien regrette le manque d'attachement des Haïtiens pour leur patrimoine musical et leur absence de volonté de le conserver. Fait qu'il attribue à un déclin de la culture en général dans le pays. C'est Haïti qui concerne. Nous avons acculturation. Nous pas quoi dans la tête nous. Nous pas quoi dans la tête nous. Et on manque, c'est pas le dire moi un peu. Il dit l'ignorance parce que nous pas cultivés. C'est-à-dire qu'on est instruit, mais la culture, c'est vraiment que nous n'avons pas intéressé. Je lance cet appel et ce défi aux émissions de radio. Parce que c'est l'école. Mm-hmm.
bien même musicien qui a joué musique pas même qu'on a tête yo et musicien qui a dou qu'on pas les monotones qu'on pas les là trop longtemps a dit na tête yo déjà lieu c'est parce que yo pas cultivé yo pas respecté tête yo dans tous les autres pays du monde n'a pas des à côté de nos voisins de Saint-Domingue depuis petit monde m'a pas des mengue gen musicien qui pi développé yo développé musique là m'a bon exemple de Juan Luis Guerra même haïtien capitaine de musique nous par exemple ce dit là il pour musique yo Juan Luis Guerra refait musique là mais musique n'a pas de grand bridge il y a juste un bridge et ben musique mais rien n'a pas changé non ouais il a amélioré elle pas changé la pour musique latine son monde tout n'a pas on voilà tia ou bien quelque soit musique cubaine il pas changé il amélioré parce que nous mêmes nous voulons rejeter ça n'est rien c'est problème de culture nous pas respecter tête non nous peut-être non et j'ai même lancé une phrase parce que je vis aussi en Guadeloupe maintenant le m'a regardé Kijan Mounio prend tambour gros cas quand j'ai dit hein dans n'importe côté n'importe coin de rue musicien artiste il pas peur il pas honte la jouer dans la rue parce que si vous même qui fait ça ici on a dit gardez ta yo fini parce que gagner on sait de jugement jusqu'à ce que j'ai osé même à formater cette phrase on a peur il semble que qu'on a peur d'être nègre parce que ça qui ou la couleur qui fait différent de plein qualité tout le monde c'est original comme on dit chinois faire parler etc la culture c'est qui fait différence. Dans l'international, Donald Trump, dernièrement plutôt élogieux à l'égard des efforts chinois pour faire pression sur la Corée du Nord, a vivement dénoncé jeudi la position de Pékin qui empêche, selon lui, toute solution amicale dans le dossier nucléaire nord-coréen. Donald Trump durcit le ton face à Pékin dans le dossier nord-coréen. Ce vendredi, la Corée du Sud dit avoir intercepté un cargo de Hong Kong en train de transférer du pétrole à un navire affrété par Pyongyang dans les eaux internationales. Un approvisionnement clandestin qui viole l'embargo pétrolier voté par les Nations Unies la semaine dernière à l'égard de la Corée du Nord. Sur les réseaux sociaux, le président américain a affirmé qu'aucune solution amicale ne serait trouvée si la situation perdurait, mais la Chine dément ses accusations. Les rapports récents ne corroborent pas ces faits. La Chine a toujours appliqué les résolutions du Conseil de sécurité sur la Corée du Nord. Nous ne permettons pas aux citoyens ni aux entreprises chinoises d'exercer des activités qui les violeraient. Si après enquête, la violation est confirmée, la Chine réglera le problème. La Maison-Blanche exhorte ses partenaires internationaux et le gouvernement chinois en particulier à accentuer la pression à l'égard de Pyongyang pour pousser Kim Jong-un à abandonner ses programmes nucléaires et balistiques. Ce jeudi, l'ONU a banni des ports mondiaux 4 navires nord-coréens accusés de transporter des marchandises illicites. Le président du Pérou est de plus en plus isolé. Dimanche 24 décembre, Pedro Pablo Kuczynski a accordé ce qu'il a qualifié de grâce humanitaire à l'ancien dictateur Alberto Fujimori, condamné en 2009 à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Il ne souhaite pas la grâce d'Alberto Fujimori. Dans les rues de Lima ce jeudi, plusieurs milliers de Péruviens ont manifesté leur colère contre le pardon présidentiel accordé à l'ancien chef d'État du Pérou la veille de Noël. Alberto Fujimori, 79 ans, président péruvien de 1990 à 2000, avait été condamné à 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité. C'est depuis sa chambre d'hôpital qu'il avait remercié l'actuel dirigeant péruvien, Pedro Pablo Kuczynski, de l'avoir gracié. Un geste condamné par les manifestants, qui lui reprochent d'avoir trahi l'une de ses promesses de campagne, mais aussi d'avoir négocié cette grâce pour des raisons politiques. Pedro Pablo Kuczynski, accusé lui aussi de corruption, vient en effet tout juste d'échapper à une procédure de destitution initiée par l'opposition, grâce au soutien des partisans de Fujimori. Depuis, le scandale ne cesse de prendre de l'ampleur. 12 proches du président péruvien ont déjà annoncé leur démission. États-Unis, un incendie dans un immeuble d'appartement dans le quartier new-yorkais du Bronx
a fait au moins 12 morts ce jeudi 28 décembre, a déclaré le maire de la ville, Bill de Blasio. À New York, dans le Bronx, un enfant de 3 ans et demi qui jouait avec une gazinière est à l'origine de l'incendie qui a coûté la vie à 12 personnes. C'est ce qu'a déclaré le chef des pompiers de la ville, précisant que ce sont les cris de l'enfant qui ont alerté sa mère du départ de feu. 5 personnes ont été retrouvées mortes dans l'immeuble, dont 4 enfants. Elle a quitté son appartement en laissant la porte ouverte. Donc le feu s'est rapidement propagé dans les escaliers. Les flammes se sont élevées dans les étages. La cage d'escalier a agi comme une cheminée. Le feu est monté tellement vite que les gens ont eu très peu de temps pour réagir. Les pompiers assurent n'avoir mis que 3 minutes pour arriver sur les lieux. Une vingtaine de personnes les attendaient sur l'escalier extérieur de secours. 4 personnes sont encore dans un état critique. Beaucoup d'immigrés habitaient l'immeuble. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont évacué les Africains du deuxième étage qui étaient très mal. Il y a un enfant qui est mort. C'est l'incendie le plus meurtrier qu'ait connu New York depuis 25 ans. Les enquêteurs tentent encore de déterminer si toutes les alarmes anti-incendie de l'immeuble ont fonctionné correctement. Ses habitants ont été relogés dans une école environnante. Voilà, c'est tout pour l'actualité nationale et internationale.